Salut sportif, c'est Armano, vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de swimrunner. Eh bien, nous sommes le samedi 31 octobre. Regardez bien ma petite barbichette et ma moustache parce que, oui, demain, vous ne la verrez plus. Demain, je vais tout raser histoire de participer au Movember. Et du coup, eh bien, si vous me voyez encore aujourd'hui, regardez bien cette petite toison qui, je dois le dire, moi, je me suis rendu à l'évidence hein, depuis que je suis gamin. Je suis imberbe. Même au niveau des jambes, quand je faisais beaucoup de triathlon, j'avais pas vraiment souvent besoin de me raser les jambes puisque eh ben, j'avais pas beaucoup de poils et quand j'en avais, eh ben, ils poussaient pas beaucoup ni très vite. Revenons un petit peu à ce qui nous occupe aujourd'hui. Je regarde, oui, il y a un autre tracteur qui arrive. Donc il y en a un qui est passé, il y en a un autre qui arrive. On va attendre que ça passe hein, au niveau du bruit et tout ça. Voilà, blablabla. Donc. Je disais donc, nous sommes le samedi 31 octobre, il est déjà presque 16h et je suis parti pour une sortie longue. Alors je voulais faire 2h, je crois que je vais pas en être très très loin. Disons que aujourd'hui je voulais essayer de rester en endurance et puis finalement après quelques minutes, très vite, hein, après 5 minutes, eh bien je me suis dit que non, j'allais aller vers la route que j'aurais dû prendre ce matin pour aller faire mon test Covid en courant, oui parce que j'avais prévu d'aller à la station de test en courant et de revenir en courant, sauf que malin comme je suis, je n'avais pas fait attention que l'horaire d'ouverture c'était de 7h à 10h. Il me semblait avoir vu quand je suis allé faire mon test cette semaine que l'horaire d'ouverture c'était 7h-15h, mais non, c'était 7h-10h. Et quand à 10h30 j'avais fini le petit déj et je me suis dit bon bah je vais me préparer, je vais y aller, j'ai quand même eu la présence d'esprit de vérifier l'horaire et je me suis dit que c'était râpé. Bon, mais c'est pas grave. Du coup, pour la sortie longue de cet après-midi, que j'ai décalé à cet après-midi évidemment, eh bien, je suis parti sur le parcours que j'aurais dû emprunter ce matin. Bon, je me rends compte que j'ai bien fait de pas y aller en courant parce que finalement, ça aurait fait plus que 20 bornes aller-retour puisque j'ai fait demi-tour en haut de la grimpette principale que je voulais prendre et j'étais déjà à 10,5 km. Donc, ça aurait plutôt fait un 30 bornes et puis, oui, pourquoi pas, mais doucement. Allons-y doucement, sachant que demain, c'est dimanche, je ne peux faire des sorties longue que le week-end, donc je vais certainement doubler demain et l'objectif c'était pas de faire 30 bornes aujourd'hui pour faire 5 bornes demain, non, on va essayer de faire 20 et 20 par exemple. Bon, voilà, mais là, eh bien, je suis à 17 km, je suis un peu fatigué, le cardio s'affole un peu et je me suis dit que j'allais prendre une excuse, ouais, j'allais saisir l'excuse de vous enregistrer cette petite vidéo pour me calmer, me détendre, faire redescendre les pulses sans trop avoir froid, puisque je sais pas si vous le voyez sur ma tronche, mais là, surtout on voit l'ombre du téléphone, il y a un joli soleil qui commence à se coucher, hein. Hop, je vais essayer de tourner sans trop vous éblouir, voilà, on commence à voir le soleil, ah ben non, je le cache en fait, donc c'est très bien, et du coup, je n'ai pas froid, je profite de ce moment, je voulais absolument aller courir aujourd'hui et si possible faire une sortie longue aujourd'hui parce que a priori demain la pluie revient, mais moi je voulais profiter de ce soleil, me recharger en vitamine D et donc ce sera chose faite pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais, l'objectif c'était de faire plutôt de l'endurance, finalement j'ai changé les plans puisque j'ai fait du vallonné, donc là je ne fais plus trop attention au cardio qui s'affole et le seul objectif de la journée c'est 1. faire du long, 2. écouter des épisodes de podcast que j'ai en retard, et 3. surtout, prendre du plaisir. Je suis en plein dedans, donc là, je vais me dépêcher de rentrer, parce que je voudrais rentrer avant que le soleil ne se couche, et puis surtout, il me semble que ma chère est tendre a un rendez-vous en ville, et il va falloir que j'aille m'occuper du petit dernier. Voilà, allez sur ce, je vous embrasse, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs!